La campagne agricole de saison humide s'est déjà installée et nous souhaitons que Dame Nature soit clémente afin de vous assurer une bonne récolte. Producteurs et productrices agricoles, comme vous le savez, chaque campagne agricole s'accompagne souvent de risques de perte des cultures dus aux ravageurs qui causent de nombreux dégâts. Il est alors important de se prémunir contre le risque de perdre tout ou partie de sa production. Pour cela, il existe toute une panoplie de méthodes de lutte sophistiquées et efficaces. Dans ce numéro, AgroMétéo vous fait découvrir ou redécouvrir l'application Plant Village Nourou. Outil d'assistance technique agricole, il vous permet d'identifier, de contrôler les ravageurs et les maladies des cultures. Et bien sûr, votre bulletin météo viendra mettre fin à cette session d'information. L'application Plant Village Nourou est une application d'assistance technique agricole. L'outil permet d'identifier immédiatement la maladie afin de s'acquérir des connaissances pour mieux contrôler les ravageurs et les maladies. Bon, na yim banado yanga furura. Amna gbere e banan bi yirimina. Shima yirimina flaburumina na kara be flaburula amna nga apare nu gbere flaburuna bo na ya gbere na sera ka gbere ka ba ulu yere na to sera dima ike ka ta chugumi to ni ni ta kai ole banami bara bale fo wa fi ka ta yoro wore u bien ale yirisun kele na bi de woro nyo nta ka tugu tugu nyo ho mi be si sa u bla la sho ka na fu yana. Les ravageurs, ils sont de plusieurs gammes variées. Il y a des broyeurs, il y a des piqueurs sucés, il y a des laisseurs. Les broyeurs, eux, ils s'attaquent aux feuilles, les racines et les tiges. Donc, avec leurs pièces buccales, ils broient les organes de la plante. Maintenant, les piqueurs sucés, ils viennent, leur pièce buccale est en forme d'aiguille, ils piquent la plante et puis ils tirent la sève. Et en même temps, ils peuvent injecter des virus dans la plante. Au niveau des laisseurs, ils viennent laper la plante et puis ils laissent une ouverture aux maladies. Par exemple, quand ils viennent laisser la plante et après leur départ, il peut y avoir des champignons qui vont se poser dessus et ils vont infecter la plante. Concernant le riz, il y a plusieurs types de ravageurs et ça, c'est en fonction du stade d'évolution et de la culture. Depuis le semis jusqu'à la récolte, nous rencontrons des ravageurs. Il y a des oiseaux qui, à partir même dans la pépinière, commencent à picorer les graines mises en pépinière. Au stade végétatif, il faut dire que nous constatons la présence de la cenille qui attaque les feuilles et souvent même et la tige. Et il faut dire que à la maturité du riz, il y a généralement des oiseaux granivores qui, quand le riz est au stade pâteux, qui vient sucer le liquide. Et quand les graines seront matures également, ces mêmes oiseaux picorent les graines. Les dégâts que ces ravageurs causent, il faut dire que c'est les pertes du rendement. Dans le champ de manioc, précisément, nous avons les ravoleurs, les cochenilles blanches, les cochenilles de racines, les acariens verts. Bon, c'est généralement, et la mousse blanche, c'est généralement ces ravageurs qu'on trouve dans le champ de manioc qui créent beaucoup de dégâts. Au niveau des maladies causées par les ravageurs, nous avons les souris du maïs, puisqu'il y a des insectes qui vont venir se poser dessus et puis transmettre des germes qui vont créer des dommages sur la plante. Il y a aussi l'hélmatosporiose, il y a la fusariose. Il y a aussi des maladies causées par des champignons. La cenille légionnaire, elle s'attaque à plus de 80 espèces de cultures.
Alors, il faut pouvoir d'abord identifier la chenille légionnaire avant de le combattre. La journée, c'est difficile de le voir la chenille, mais vous pouvez voir ses défections et puis ses dégâts causés sur la feuille. Au niveau de la feuille terminale, et elle est logée généralement dedans. La chenille cause beaucoup de pertes. D'abord, au niveau de la plante, elle détruit les feuilles, la tige, et même à maturité, vous pouvez voir la chenille dans votre épi de maïs. Donc, elle crée beaucoup de dégâts. L'application PVNURO, c'est un outil d'assistance technique agricole. Donc, elle permet aux producteurs d'identifier immédiatement les ravageurs, les maladies. Et elle permet aussi aux producteurs de faire des interactions avec d'autres producteurs. Il peut envoyer un message vocal, un message écrit ou des images. Et il y a d'autres producteurs qui vont voir et puis définir la maladie ou les ravageurs et puis proposer des solutions. Et il peut y avoir interaction entre les producteurs. Par exemple, nous qui sommes ici, si un producteur a son champ, il voit, il soupçonne une attaque. Et puis l'application, il scanne la photo du plan attaqué et puis il envoie au serveur pour analyse. Le serveur va lui retourner des résultats pour dire que ton plan souffre de telle maladie et préconiser aussi des solutions de traitement pour combattre ce mal-là. Et l'application permet aussi de suivre la météo. Donc, en fonction de ta localité, tu peux savoir si dans la semaine, il y aura une pluie ou pas. Donc, ça permet aux producteurs de prendre ses précautions. Une fois les ravageurs et puis les maladies contrôlées, il y aura évidemment une augmentation de la production. Alors, il y a augmentation de revenus. Pour avoir l'application PVNURO, il suffit d'aller sur Play Store, télécharger l'application Plan Village Nuro. Tu télécharges, tu installes et puis tu crées un compte. C'est le moment pour nous de vous donner des informations sur le bilan pluviométrique des 6 derniers jours et les prévisions des 6 prochains jours pour l'ensemble du territoire national ainsi que des alertes sur les poches de sécheresse. Vous aurez également la prévision allant du 28 juillet au 27 août et des conseils agricoles. Voici donc le bilan de la semaine passée. La saison des pluies bat son plein dans notre pays. Entre le dimanche 24 juillet et vendredi 29 juillet, des pluies ont été enregistrées sur une bonne partie du territoire avec des précipitations allant de 5 à 39 mm d'eau. Les zones les moins arrosées ont été enregistrées dans les localités de Banfora, Gawa, Batié, Wargaï, Pama, Diapaga, Fadangourma, Tougan, Goursi, Waiguya, Kongoussi et dans l'ensemble des localités de Titao, Djibo, Gorom-Gorom avec des précipitations variant entre 5 et 15 mm. Les zones les plus arrosées ont été enregistrées dans les localités de Seba, Bougandé, Koupéla, Zorgo, Sapui, Léo, Bourumo, Oundé, Bobo Dioulasso et Orodara, avec des précipitations variant entre 26 et 39 mm de pluie. Que nous dit la météo pour ce qui concerne la nouvelle semaine qui commence? Entre le 31 juillet au 5 août, il va pleuvoir deux fois moins que la semaine passée. Sur l'ensemble du territoire burkinabé, les précipitations vont varier entre 14 et 88 mm. Les localités de Oundé, Boromo, Diobougou, Dano, Réo, Koudougou et Yako recevront les plus fortes pluviométries, entre 58 et 88 mm de pluie, soit 580 000 et 880 000 litres d'eau
par hectare, ce qui permettra la poursuite des activités de semis pour certaines spéculations dans ces localités. Les détails sur les quantités de pluie peuvent être retrouvés sur la carte et sont mis à jour sur l'application de Plaine Village Nourou que vous pourrez télécharger gratuitement sur Play Store. Les pluies seront plus faibles ces prochains 6 jours dans une bonne partie des localités de Waïguya, Titao, Djibo, Gorom-Gorom, Dori et Seba. Elles seront les moins arrosées avec des pluies comprises entre 14 et 39 mm, soit entre 140 000 et 390 000 litres d'eau par hectare. Vous pourrez avoir plus de détails sur l'application Plaine Village Nourou. L'ensemble du territoire recevra du 28 juillet au 27 août entre 67 à 217 mm d'eau de pluie. Les localités de Banfoura, Gawa, Batié et Gorom-Gorom recevront les plus faibles pluviométries avec en moyenne entre 673 000 à 1 429 000 litres d'eau par hectare tout au long de ces 30 jours. Les producteurs situés dans les zones qui seront les moins arrosées durant ces 6 jours doivent arroser manuellement les champs de temps en temps. Pour les producteurs des localités où on observera de fortes pluviométries, la mise en place de cordons pierreux ou des diguettes anti-érosives est conseillée. Cela permettra de réduire les effets de l'écoulement des eaux dans les champs. Aussi, l'application de paille dans les champs permettra à l'eau de s'infiltrer dans le sol sans causer de dégâts à vos cultures. Voici pour ce qui concerne la météo et les conseils. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles sur le temps et d'autres conseils agricoles. Vous pouvez toujours nous envoyer vos suggestions par WhatsApp au plus 226 76 60 03 81. Merci d'avoir suivi ce numéro de votre émission qui, sans doute, vous a permis d'en savoir davantage sur les astuces et méthodes pour prévenir ou combattre efficacement les ravageurs des cultures à travers l'application Plaine Village Nourou. Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir une autre méthode de lutte aussi efficace et écologique que Plaine Village Nourou.